Bonjour tout le monde! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon XY! Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau, toi? Et ça dirait d'échanger un love disc quand on se tombe. Quoi? Non! Qu'est-ce que c'est que cet échange? Je suis bardé de potions, je vais aller défier Lino! Les Pokémon d'une même espèce sont pas tous dotés des mêmes talents! Je m'attends, je fonce dans le mur! Pourquoi? Mais eux, c'est bien! Il y a peut-être des trucs. Alors, dans la maison. Ah, oui, je vais aller voir ta maison préférée, là. Ça a l'air bien! Bonjour, c'est ici le stand Pokémon? Ah oui, bien sûr. Ah, un massage! Bah oui, vas-y, fais un massage à mon Pokémon. Et tu es au courant, on cherche un Pokémon sans l'avoir cherché. Il suffit de connaître son nom pour faire une recherche sur GTS. Tout le monde dépose des Pokémon à la GTS. Si tu cherches un Pokémon, tu notes son nom. Incroyable. Et parfois, tu reçois ce que tu veux, mais c'est incroyable. Vite des promenades. Genre, ici, on se promène. Des bicyclettes! Ah oui, c'est vrai. Ah, bonjour et bienvenue! Ça alors! Vous êtes notre 10 001e client depuis l'ouverture de ce magasin! Si vous aviez été notre 10 001e client, vous auriez reçu une bicyclette! Mais comme vous avez manqué cette opportunité de peu, je suis prêt à vous en offrir une si vous trouvez la réponse à cette question. Vous êtes prête? C'est parti! Les bicyclettes sont-elles disponibles en plusieurs couleurs? Bien sûr! Il passe quoi si je réponds, ça m'étonnerait? Bah, il t'en donne pas. C'est votre dernier mot? Pensez qu'il existe? Ça m'étonnerait. Ah oui, d'accord, t'es obligé de donner la bonne réponse. Incroyable, c'est la bonne réponse. Je suis sûr que vous prendrez grand soin de la bicyclette. Hein. Moi, comme dirait Ventus, le mien, il perd. Excellent choix. Je vous souhaite beaucoup de bonheur sur les routes de Kalos en compagnie de votre fidèle monture. Incroyable, n'est-ce pas, hein. Très belle couleur, hein, qui représente totalement Pokémon XY. Bah, d'ailleurs, faudrait l'équiper. Ouais, c'est bon, c'est la musique joyeuse. Youpi! Maintenant on va pouvoir se balader sur les routes! J'adore le Lockit! Attends, mince, qui c'est qui m'attaque? Bonjour. Mais je voulais jouer! Pourquoi tu me parles? J'en voudrais 12 bouteilles. T'es où? Je suis parti, j'ai suivi le chemin en fait. Pas de chance! Effectivement! Pas de chance! Tu es venu pour la course, elle est déjà terminée, j'ai remporté la première place. Imagine ta déception de ne pas pouvoir plus avoir. Tiens, en échange, une cesse et force. Avec ça, les Pokémon pourront déplacer des montagnes. Ok, le gars, il arrive, genre, j'ai gagné la course, tiens, assez fort, ok. Il est fou. Par contre, si tu veux l'utiliser dehors des combats, force le badge de l'arène, que je suis le seul à donner, si tu te sens capable de relever le défi, il passe me voir à l'arène, je t'y attendrai. Pourquoi il y a des confettis dans les cheveux? Voilà, donc je faisais la course. Oh, pas une Pokéball? Non. Elle pédale pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'elle va vite? Trop fort, ah, je suis désolé, tout en bas. Ah, bicyclette, on le sent bien, ses muscles avec tous les efforts qu'on fait. Muscle flex, j'espère. Alors, c'était quoi? Un spécial plus. Ok, je commande pas. On peut pas revenir en arrière. Dans la course de relais, je dois me battre pour toute mon équipe et viser ça. Je veux faire la course là. Ta-na-na. Ah, mais il y a un objet derrière des bancs, une super potion. Ouais, super ça, potion. Alors, ça fait quoi si je fais la course là? Incroyable. Ah, mais il n'y a pas de. Animation. C'est pas les bons bancs alors. Bon. Est-ce qu'il y a des meilleurs bancs? Je suis en train de gagner la course. Je t'ai battu. Moi je cherche un. T'es banc. Mis un tour là déjà hein. J'avoue, on peut partir ou ils vont nous dire non? C'est... Mais oui, on peut partir. Ah bah je veux partir moi alors. C'est vrai? Bah oui, j'ai des trucs à aller chercher ici. Qu'est-ce que c'est que ça, NB? Voilà, on a cherché toute la nuit, toute la journée et maintenant c'est bon, on a nos nouveaux Pokémon, trop bien. Et oui, mais... nous sommes devenus des dresseurs, des dresseuses d'Evoli. Oui, mais. On en a déjà marre, donc ouais, on va devenir... On va faire un clafoutis à l'abricot à la place. T'es prêt? Ouais. Bah moi parce que je dois apprendre une attaque. Voilà, c'est bon. Ah, tu devais apprendre une attaque, t'es passé niveau 20, je crois. Oui. Le super bonbon, il était caché dans le parc du château. Bah, je le montrerai sûrement quand j'y retournerai un jour. Voilà. C'est un peu random quand même. Bah, oh, allez, dans le château, il y a c'est un bonbon caché. Le gars, le château, le bonbon, mais on l'a pas montré. Attends, mais du coup, je suis monté niveau 20, je vais réapprendre une attaque. Ah, j'apprends onde boréale. Trop bien. J'allais dire, là, elle va être bloquée, elle va rien faire pendant 30 ans, mais en fait, non, c'est bon. Moi aussi, je vais apprendre une attaque, c'est trop bien. T'as pris quoi? Vampi baiser. Oui, parce que toi, t'as le droit d'apprendre une réattaque quand même, hein, faut pas rigoler. Mais c'est une attaque physique. Moi, je joue spécial les Sylveon. Bon, eh bien, c'est pas grave, on peut sortir d'ici. Attends, moi aussi, je veux changer de premier Pokémon. Ah bah, il pleut.
J'ai été trop lente. Oh là là, bon, c'est pas grave. On va se réfugier dans la ville, magnifique. On n'a pas vraiment visité la ville, en fait, si. On s'est rué dehors. On a été voir les vêtements. Non, je crois qu'on l'a pas fait, mais c'est pas grave. Conseil au dresseur pour enseigner une capacité, ben dans ton sac, c'est quoi ça? Bon, c'est pas grave. On peut aller vite fait, là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est l'auberge. Oui, voilà, l'auberge, là, pour aller chercher. Ah oui, voilà, c'était ça que je voulais voir, une auberge. Ok, bon, bah, ok. Tiens, prends la cité repos, avec ça tu peux te reposer. Quand un Pokémon décide de piquer un somme, il récupère tous ses HP. J'adore la capacité blabla dodo. J'espère qu'elle te plaira aussi. Ah, moi j'aime beaucoup. Repos blabla dodo. Ouais, ouais, elle permet d'utiliser une capacité au hasard parmi lesquelles il connaît déjà. Non, mais je veux parler à ce monsieur là. Ouais, professeur Sorbier, trop bien. Ouais, ouais, c'est cool. Oui, madame, Lulu Kit a bien été conçu dans le labo d'un certain Lison, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, je peux m'asseoir sur le canapé. Faut monter à l'étage. Ouais, on va aller voir l'autre. Pour avoir un cadeau. Oh, une maid. Bonjour et bienvenue. Accepterez-vous ceci? C'est un client qui me l'a donné. Ah, le nœud du destin. Avec ça, nous sommes maintenant liés toutes les deux. Je n'arrivais pas à me résoudre à la vendre ou à m'en débarrasser. Mais alors, qu'est-ce que tu viens de faire, là? Je viens de m'en débarrasser. Allez, tiens, viens là, toi. Hey, ma soeur, c'est pas très intéressant. Ouais, 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 c'est bien. Tiens, prends ça. Puis Giro dit oui à chaque fois. Aura gain. Oui. Ah, c'est bien, ça, du coup. C'est le truc le plus utile du jeu. Non, il y a aussi l'aura éclosion. Non, c'est pas vrai, il y en a trois qui sont utiles. Il y a l'aura capture, l'aura éclosion, l'aura machin. Il y a une aura expérience aussi. Ouais, mais bon. Il y a personne. Il y a un monsieur. Ok, il cherche des adversaires. Et oui, bah non, mais toi, t'es pas vraiment un adversaire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Ah, c'est un restaurant. Café est couru par les clients qui désirent laisser leur Pokémon chéri à l'admiration des badauds. Les prix en fonction de l'endroit où vous souhaitez vous asseoir, vous voulez vous laisser tenter. Alors tu veux manger un morceau ou pas? Bien soit. Moi j'étais parti me balader sur la plage. Il y a rien sur la plage, j'ai déjà fait la course là-bas. Mais il y a peut-être des objets cachés, genre des perles. Voulez-vous vous asseoir? Alors blablabla. Ouais, oui. Ça coûte cher d'aller sur la terrasse, alors je vais aller sur la terrasse. Bon bah go sur la terrasse, fort bien, une place en terrasse. Le prix qui dépend de l'endroit où on s'assoit, waouh. Ouais, moi je mange à la terrasse pendant la nuit. Ce jus est une spécialité de notre café, nous en sommes très fiers. Prenez votre temps. On va vous donner un pourboire. Non. Ouais, non, non, c'est bon. Très mauvaise. Comment ça s'appelle? Cliente. Voilà, j'espère que tu apprécies ton jus de fruits à 5000 Pokédollars. On se faisait attaquer. Mais même pas. Roukoups, c'est moi, on reste ici. Observez les gens. Tiens, voici Roukoups. Moi, c'est un Delcati. Quand je ris, mon Roukoups rit avec moi. Quand je pleure, il pleure. Chaque dresseur s'occupe différemment de ses Pokémon. Ah bah, c'est bien, alors. Ok. Vous nous quittez déjà. Est-ce qu'on se sent arnaqué? Oui. Mais non, c'était pour voir Roukoups, au cas où tu l'as pas vu. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu as vu Roukoups. Ah oui, non, d'accord. À chaque fois que tu veux rentrer, il veut dire, hey, ouais, est-ce que tu veux boire? Ouais, trop bien. Ouais, en fait, ça sert à rien. D'ailleurs, je suis allé en terrasse alors qu'il pleut. Moi, je suis très maligne. Ah oui, ok, il y a plein de rochers à casser. Moi, je peux les casser, les rochers, regarde. Non, c'est pas ça un rocher cassé, ça c'est un rocher cassé et hop. Non, je m'en fiche de l'eau qui scintille. Et ben voilà, j'ai trouvé une perle. Wouah. Très utile, n'est-ce pas? Il y avait une perle sur une petite. Un petit caillou. Non, en bas. Ici, dans ce caillou. Je vais la donner à Perle. Non, je rigole. Ouais, mais ça tu l'as déjà dit. Oh, bonjour madame. Quand je veux capturer un Pokémon, je réfléchis très fort à la Pokéball que je vais utiliser. D'accord. Toi aussi tu fais ça. Bah, je réfléchis pas puisque bah, c'est tout. J'ai des Lux Balls dans mon inventaire, c'est tout. Ah, j'ai trouvé une ville max, t'as vu ça? Si la pêche ne donne rien à un endroit, va ailleurs. Si une capacité ne fait rien, utilisons une autre. Quand quelque chose ne marche pas, il y a toujours une astuce pour que ça change. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de la ville, c'est bon. On va pouvoir se promener vers de nouvelles aventures, trop bien, incroyable. Du coup, il y a une petite. Non, c'est là, je crois. Ouais, c'est je là. Je crois qu'il faut suivre le chemin. Et... Oh, attends, il y a une maison là, non? Ouais, il y a des maisons là. On n'a pas été dans ces maisons là. Ouais, trop bien, défense plus, ça sert à rien, mais c'est pas grave, prends-le quand même, on sait jamais, peut-être que. T'as trouvé une maison. C'est quoi ces maisons là? Wow, je sais pas où je suis allé, certains mais. Certains Pokémon évoluent quand on fait un échange avec des amis. Si on repère un donne un objet, comme si on lui aimait, ok? Tiens, c'est pour toi, j'insiste, un chantilly bonbon. Ah, ok, c'était vers l'arène. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour faire de la purée, ok. Trop bien. De la purée? Avec un bonbon? Ouais, de la purée de bonbon. Ah non, ok, il y a qu'une maison. Okay, c'est tout. Ah oui, mais c'est pas une maison par rapport au truc. Non. On pouvait y aller. Oui. Du coup, je suppose que moi, c'est pas un chantilly bonbon qu'elle va me donner, mais un petit c'est sachet le de monsieur, parfum. C'est le monsieur qui donne ça. Au moins, tu me donnes un chantilly bonbon. Non, oui, un sachet senteur.
Ce sont les objets pour faire évoluer Pokémon Barba Papa et Pokémon Parfum. Quoi? Ah, c'est trop bien, ça fait une lumière le vélo. Bon, me voilà devant l'arène. Ah ouais. Oh, cette façon d'avancer. Allez, on rentre dans l'arène avec le vélo, pas de problème. On va casser tout. Arène de Relifac le Haut. Là-haut, sur la montagne, se traîne le monsieur avec son machin. Salut futur maître, bienvenue à l'arène de Tiproche. Si vous faisiez comme l'eau, l'acier, pendant c'était que quelques-unes. On examine les points bleus, si tu veux savoir escalader aux parois, en haut, en bas, à gauche, à droite, va falloir surprendre le champion. Est-ce qu'il y a des dresseurs en bas? Trop forte. Ok. On dirait bien qu'il y a... On peut descendre direct. Oh, on peut s'asseoir ici. On peut s'asseoir dans l'arène. Oui, pour admirer les belles cascades. Voilà, c'était... Les bancs dans l'arène. Très intéressant, n'est-ce pas? Bon, alors je pense que prendre celui-là... Je pense que le premier, c'est pas un bon chemin, il y aura un dresseur. Je ne sais plus. Là, il y a quelque chose, peut-être. Ah, là, il y a un dresseur. Je pose celui de droite, je crois, et je suis tombé sur un dresseur. Mais je crois que, ouais, en fait, peu importe. Non, c'est peu importe, oui, moi j'ai pris Tu peux l'esquip, en fait, en prenant ce chemin. J'en ai assez de l'entraînement et j'en ai besoin de l'escalade. J'ai bien mérité une pause. Oh, il s'appelle Nicolo. Nicolo. Krabicoc. Qui se souvient de ce Pokémon? Pas moi. Ah bah c'est dommage. Il est bien ce Pokémon pourtant. Oh non, pas boule de roc. Ah, j'ai pas boule de roc. Et le dragon à l'attaque fée. Ok, ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais bon, c'est mieux que rien. Bon, moi je sens que si je refais pas un coup critique, ça va durer 10 ans. Oh, non, il m'a feinté là. Mais arrête de faire boule de roc, ça me fait trop peur. Il m'a feinté, regarde là. Oh, quel stratège, il pose des pièges de roc. Incroyable. Tu fais un combat de roche contre roche. Ah bah ouais. Oui, non, mais j'ai eu trop peur, alors du coup j'ai dit Moi je suis malin, tu vois, j'ai posé les pièges de roc. Ah bah oui, forcément Perle, tu fais le coup critique à la fin. Quand il a plus de vie. J'ai posé les pièges de roc, je suis un champion du monde. C'est bon. Ah ouais, mais il est nul, il craint les pièges de roc, voilà, c'est bon. Bon, bah, c'est allez. Niveau 21, c'est trop bien. Je suis déjà obligé de changer de Pokémon. Titania, montre-nous ce que tu sais faire. Ouais. Allez, pour rigoler. On va faire un combat qui sert à rien. Je vois ce que tu vas faire. Oh, je lui fais rien comme dégâts. Ah bah oui, les pièges de roc, grâce à ça, ça lui a fait plein de dégâts. Non, pas le bâillement. Il n'est pas très efficace, n'est-ce pas? Ah, mais oui, mais non, mais il est sérieux. Ah, bah ouais, mais moi, je fais ça, c'est bien. Ça marche. Je fais pistolet à eau, parce qu'on sait jamais. Ah, quand même, il fait des attaques roches, quand même. Non, mais j'avais raté, mon doigt, il a glissé. Ah, le voilà. Ouais, il me fait mal, quand même, en fait. Mais non, pas ouin, ouin, c'est nul, mais non, ça. Mais je switch de Pokémon, il refait bâillement. Je savais que tu switcherais de Pokémon. Ah oui, mais c'est la bonne stratégie, forcément. Moi, je m'envoie les livres, en fait. Heureusement, Marbure est fort et courageux, donc il va tuer en un coup le reliquante. Ouais, non, ouais. Même pas. Ouais, j'ai calqué la glissade, là, de la princesse. Mais il refait bâillement, on sait jamais, hein. Regarde-le, là. Ouais, 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 vas-y. Hein. Ouais, mais feuille magique, c'est plus fort que bâillement, donc... Ils sont plus forts que moi, du coup, dans l'arène. Ouah, 1004 points d'expérience. Ça fait plaisir, je suppose. Voilà, Ranirock et Siguin ne se battront jamais, mais ils montent de niveau quand même. Oh, Siguin, tu penses? Ah oui, non, Siguin, c'est pas personnage dont j'ai oublié le nom. Voix enjôleuse. J'aimais bien utiliser voix enjôleuse, je ne sais plus pour quelle raison. Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Je ne rate jamais. Ah, c'est parce que ça rate jamais, je vois. Ah ben voilà. Ça n'en finit plus. Elle va mordre maintenant. Ah non, mais c'est ça, les petits chats, ça mord tout le temps. Petit chat de 20 mois. De 20 mois. J'en ai marre. D'en avoir assez. J'en ai marre. Et moi, j'en ai assez de plus avoir de team disponible. Qu'est-ce que je vais faire, du coup? Bien. Alors, bah, à gauche ou à droite? Allez, moi, je prends la droite. Je pense On dit toujours que la gauche est le bon chemin, alors voilà. Voilà, j'allais dire. Le but c'est de trouver tous les dresseurs. Ah oui, non, mais carrément, c'est un mauvais chemin, mais à ce point. Ah ouais, non, mais ok, ah ouais, non, mais c'est... Vous auriez pu nous récompenser d'un dresseur quand même. Non. Mais non, c'est pas un mauvais chemin, c'est que vous puissiez regarder. Regarde, t'as jamais fait d'escalade de ta vie, et pourtant tu sais faire ça.
T'en sais rien, tu connais pas le passé du personnage. Ok, là, il y a un montagnard, là, il y a un méchant. Ok, bah alors on va monter pour affronter le méchant. Non, mais il y avait une fille encore. Une fille. Il y avait une fille, tu préfères... Mais là, c'est fini, en fait. Là, c'est juste pour aller affronter lui. Bah, je sais pas, moi, de toute façon, je suis pas à la madame. Seul un dresseur au cœur noble peut défier la reine de Relifac le haut. Mais où est-ce que t'es, toi? Au même endroit que toi. Mais non, mais tu lui parles à un endroit, à un angle bizarre, le dresseur Manon, prometteur. Le dresseur prometteur. C'est Manon. Trop bien, Pokémon Psy. Trop bien, je peux rien lui faire à ce Pokémon. Non, c'est pas grave, on va re-switcher parce que du coup, voilà. Hein. Eh, tu pensais que avoir prendre casse-brique ça faisait des trucs, mais pas du tout. Enfin, c'est pas casse-brique, c'est. Truc qui sert à rien. Hein. Oh, c'est plein de dommages. C'est pas gentil de jeter des pierres. Mais t'inquiète, je vais lui faire zéro de dommages, moi. Bah oui, hein. Ah ouais, trop bien. Bon, bon, bon. Non, mais là, tu dans cette arène, tu utilises que Leaf, et puis c'est bon, c'est tout, tu fais que ça, c'est bon. Justement, je l'ai rangé dans le PC, c'est le Pokémon le plus utile. Là, tu fais que ça, c'est bon, là. T'as cru que t'allais pouvoir tuer la madame, mais non. Mange pas, regarde, la Vacti, 2-2 HP, là, hop. Ouais, non, en fait, plein, quand même. C'est pas grave. Il est fort. T'inquiète, je vais rien lui faire comme dommage, oui, voilà. C'est super efficace, pourtant. Mais oui, mais... Trop bien. C'est pas stabé. Trop bien. Oh mon dieu. Ah, tout le monde est mort. Hein. Ouais, non, t'as dit, hein, Sylvie n'avait servi à rien. Mais non, mais t'inquiète, tu serais passé, il va arriver à faire Dracourage dans tout le monde. C'est comme ça qu'on joue. T'inquiète, t'arrives au champion, t'as 5 HP sur tous tes Pokémon. Bien joué. Ah bah oui, mais il fallait t'entraîner. Hein. Voilà, hein. Voilà, vas-y, Ragnarok. Hein. De toute façon, hein. Meurs pas, essaye, c'est tout. Ah, oh, c'est bon, les Pokémon roches. Mais oui, en plus, ça fait super mal. Mais heureusement, moi... heureusement qu'il est bête et qu'il fait Vague Psy, lui aussi. Hein. Ah, mais non. J'ai Jet Rock, mais j'ai pas envie. Vague Psy, c'est bien. Jet Rock, d'ailleurs, je crois que quand j'étais petite, je disais Jet Rock. Jet Rock. T'as troqué. Allez, bien joué. Vous l'avez battu, c'est un dresseur comme toi que cette arène attendait. Moi, désolé, hein, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Je leur fais des bisous, mais ça suffit pas. Ah oui, toi, au moins, tu peux te soigner. Oui. Mais à quel prix? Tada! Elle monte super vite! Alors, est-ce que tu penses qu'on peut affronter le montagnard? Oui, oui, c'est bon, on va l'affronter, ton montagnard préféré. J'espère qu'il a des matchocs. J'espère qu'il s'appelle Anthony. Salut, Anthony! Je m'appelle pas Anthony! Je m'appelle Prêt. Je suis prêt. Toi, tu failles dans ma défense, hein, gouffre toi, je t'attends, mon ami. Parle. Il s'appelle Anthony. Le montagnard. Arpad le montagnard. Nodulite. Tu sais, le Pokémon qui fait fermeté. Nodulite, Nodulite. Non, mais c'est bon, je suis pas comme si j'allais le one-shot, donc c'est bon, tout va bien. Nodulite, Nodulite. Non, mais vous êtes sérieux? Ah oui, bah oui, Nodulite, Nodulite, c'est bon. Je gère, moi. Ouais, ouais, trop bien. C'est pour ça qu'il faut voix enjôleuse. T'as toujours pas d'attaque acier avec... Si, si, j'ai allègement. Bah ça va alors. Allez, vas-y, tue-le. Ouais, t'es un champion du monde. Mais non, en fait, j'ai no guard, donc je m'en fiche. Yeah, Nodulite, Nodulite, il est nul. Mais t'inquiète, j'ai déjà perdu la moitié de mes points de vie avec mon Pokémon, du coup c'est bien. Arpad. Ah, un combat, un combat normal, que tu t'engouffres, que tu trouves une faille ou pas, yeah! Nodulite, Nodulite! Titania ne peut plus se battre. Allez! Je pense que là, on est parti pour l'escalade de notre vie. N'est-ce pas? C'est pour bien travailler nos muscles, voilà. Wow. Alors, il reste encore un méchant à tuer, oui. Bonjour, monsieur. L'escalade et les combats de Pokémon se ressemblent, ce sont des épreuves de logique! Mais oui, bien sûr! Et moi, je m'appelle Anselm. Ok! Le voilà, Anselm. Après Vanitas, c'est bon! Oui, ça commence par A-N comme Anthony. Ah, ouais, moi, je me bats avec Rhinocorn. Bon Pokémon. Regarde, là, je vais faire séisme, tu vas rien comprendre. Ah non, ton broche, parce que, bah, voilà. Hein? Ouais, ton broche c'est bien, c'est bon, ça fait baisser la vitesse, moi je fais ça, c'est bon. Regarde, là, maintenant, hop, regarde, je suis plus rapide que toi. Ok.
savez, vous avez le droit de faire des coups critiques, hein. Vous faites des attaques à haut de coups critiques. Non, moi, non, on baisse la vitesse, c'est bien, plutôt. Là, je fais coups critiques, t'inquiète, je gère. Non, ça va. Même pas. Ah, parce qu'il a encore un autre Pokémon. Il y en a trois, je crois. Tarinor, nord. Tarinor, pointe au nord. Mais j'ai deux pierres. Non, mais vous êtes sérieux là? Ben oui, mais voilà. Ah, je pensais que ça marchait, mais c'est. Je connais pas trop Bluff. Bon, du coup, je suis plutôt mal. Mais j'ai des pierres, c'est bon là. 1, 3 HP en moins. Allez, regarde, je fais encore j'ai deux pierres, tu vas avoir peur, moi je te dis au bon moment. Je sais pas si j'ai de fer. J'ai de pierres, fait peur en fait. Non, c'est éboulement. Ah non, mais t'imagines si pierre dans rouge et bleu il te faisait peur. Non, il fait pas jet de pierre. Non, il fait patience. Il fait patience. Ah, le voilà, tu vois, on parle de pierre justement. Reconnais le cri. C'est un travail pour Onyx. Mais non, mais vous faites tous jet de pierre, c'est quoi votre problème là? Et alors, qui c'est qui va survivre le plus longtemps? Onyx! Fais jet de pierre, c'est la meilleure attaque! Il fait un moment, il va me faire un coup critique. D'ailleurs, je fais aucun coup critique. Hein. C'est bon, ça sert à rien. Je sais pas ce que c'est un coup critique alors que tu fais griffe ombre. Ah non, bah malgré non. Malgré mes efforts, ton sommet reste hors d'attente. Non, c'est plutôt malgré mes efforts. Je suis super mal, mais je vais croire en la puissance de. De charge. De charge. Ah, j'avais pas pensé à ça. Oui, non, c'est pourquoi bon. Il fait pas jet de pierre? Il voulait que je gagne. Quoi, il fait pas jet de pierre, le gars? Eh non, moi je fais charge, c'est bon. C'est bon, je vois que le Pokémon il est en danger, moi je veux l'aider à gagner quand même. Ah non, mais moi je sais, c'est pour comme ça, je montre un peu toutes mes attaques, comme ça il s'y attend pas. Avoue que tu t'y attendais pas quand même à te prendre un jet de pierre. Malgré mes efforts, tant pis pour lui. Tiens, prends ces 2350 de pierre. Bon, je pense qu'on est arrivé au bout. Oui. Oh, on est prêt. Allez, escalade. Comme la CT. Comme le... Non, c'est une CS. CS, pardon, c'est la même chose. Bonjour, monsieur. Pourquoi t'as des confettis dans les cheveux? Ah, mais ça, vous n'avez pas le droit de le savoir. Vous êtes trop jeune. J'attendais. Le coup, pas seulement les bras et les jambes aussi, mais qu'attendais-je? Un challenger, je savais que tu me laisserais pas tomber. Je suis parfois impressionné que t'aies réussi à grimper cette paroi. Tu es une vraie femme mimigale. Ah, tu m'étonnes. Je pense que voilà, hein. Je vais donc devoir débrouiller ce cou, ses bras et ses jambes qui me réclament de l'action. Certes, ma taille me rend l'escalade plus facile, mais 64 en combat Pokémon, ça ne compte pas et tu pars sans handicap. Question, réussiras-tu à atteindre le sommet comme moi? Ouah, t'aimes bien ça, toi. Pas vraiment. Hein, qu'est-ce que tu racontes? Dino, le bootleg de Nino, do my best. J'ai cru que c'était écrit Alpino. Alpino? Alpino, l'alpaga vous attaque. Mais, bah tiens, regarde un alpaga. Mais... Non, pardon, alpaga. Ah, ils sont super forts ces Pokémon. Qu'est-ce que tu vas faire comme attaque? Tu peux rien faire en fait. Hein. Mais non, mais quoi? Je te spoil, il fait cage éclair. J'espère que tu lui feras peur. Nier, regarde, c'est ma meilleure attaque. Et que ça, tu peux plus rien faire. Tu n'es qu'un aquali après tout. Bah oui, de toute façon, je suis qu'un aquali après tout. Bon, c'est pas grave, allez, vas-y, hein, j'en ai marre. Bon, c'est bon, je suis déjà énervé. Pareil, bon. Mais bon. Ouais, on essaie d'être sympa et vous faites ça, hein, onde boréale. Non, mais tu faisais onde boréale sur Aquali de toute manière? C'est alors quoi ton problème? Qu'il a baigné. Non, je me suis trompé! Ouais, c'est pour ça, les contactifs, c'est nul. Faut pas se servir de les contactifs. Utilisez le stick, c'est bon. Avec le stick, tu peux pas faire d'erreur. Mais non, mais t'es sérieux? T'as un problème en fait? Oh, mais non, moi je fais onde boréale, c'est bien comme attaque. Ouais, moi je suis Dracourage, c'est bien comme attaque aussi. Mais t'inquiète, là, je vais utiliser la potion hyper parce que je suis riche. Parce que I do my best aussi, accessoirement. Ouais, je vois, j'en doute bon, pas. Bon, j'ai pas pris le bon Pokémon. Moi, j'ai pris le bon, c'est Ragnarok. C'est forcément le bon Pokémon. Et, ouais, bah, c'est bon, je fais bélier maintenant. Ouais, ça fait plus mal, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, Rino, c'est bizarre. Effectivement, ta stratégie est infaillible, je pense. Ouais, tu donnes que 400 de points d'expérience, t'es nul. Allez! Ah bah non! Ah bah si! Ça se fait pas!
Tu m'as énervé. Je me demande si ça va marcher. Non, c'est risqué. Je voulais faire un truc. Mais je le fais quand même. Si ça rate, je serai triste. Et là, ça va rien lui faire. Allez, on tente quand même. Regarde, il a donné un coup de patte incroyable. Mais pourtant vrai. Au revoir, moi. Pardon, attends, tu le fais pas bien. Il faut pousser sur la longueur, sinon ça marche pas. Tyrannie dure. Tyrannie dure, il rigole. C'est un petit rigolo. Je vais en faire qu'une bouchée. Moi non, mais bon. Pas grave, on essaye. Ah, j'ai mordu, ça fait mal. 30 HP en moins, trop bien. Allez, t'as eu peur, hein. Bon, bah il te reste plus qu'un coup, alors voilà. Ah voilà, j'en ai fait qu'une bouchée. Allez, bonne chance, tu résistes, hein. Ouah, bien joué, Laïa. Voilà, c'est bon, maintenant tu mais peux... C'est Laïa en même tu temps. Tu peux plus te battre maintenant. Ok, c'est trop bien. J'ai battu Alpino, le champion. Attends, il en avait que deux, je pensais qu'il en avait trois, moi. Ah non, une nouvelle paroi se dresse devant moi, et cette fois, c'est de toi qu'il s'agit. Mais sérieux, t'es nul, en fait. Mais moi, je pensais qu'il en avait un troisième. T'as triché, t'as utilisé autant de Pokémon, alors que moi, j'en avais que deux. On a beau... J'en ai utilisé que deux, hein. Bon, ça va. J'en ai utilisé 4. Parfois, on a beau étendre les bras de toutes ses forces, certaines choses restent inaccessibles, alors il faut s'accrocher et do your best. J'ai senti que ton équipe et toi, vous chérissez ces valeurs, vous aussi, vous méritez mon badge de mur. Oh là là, regarde, ça ressemble à une ultra chimère. Avec ce page, tu pourras travailler dans la main jusqu'au niveau 40, même s'ils proviennent d'échanges, je pourrais aussi t'offrir ceci, ton broche. Pourquoi on aurait un personnage au niveau 40 à ce niveau du jeu? Je m'en suis jamais servi, mais c'est pas grave, c'est bien ton broche. Hein? Une attaque basée sur jet de pierre. Il laisse le temps de se demander comment déployer ses ressources physiques. Le combat, lui, mobilise la réflexion pour l'utilisation d'autres ressources. Les Pokémon. Et quand on trouve la bonne façon de progresser, comment dépasser les difficultés, quelle satisfaction, n'est-ce pas? Bon, bah on peut descendre. Non, pas par là. Une petite sortie. Oui. Ouais, je t'attends pour faire le toboggan des enfers. Toboggan des enfers. Toboggan des enfers. Et voilà. Et voilà. Non, est-ce qu'il se passe quelque chose quand on sort? Non, je pense pas. C'est la fin de la vidéo. Voilà, merci à vous d'avoir regardé. Il y a bientôt pour une prochaine partie de Pokémon XY. Au revoir tout le monde. Bye bye.